Vous savez, monsieur l'inspecteur, vous ne devriez pas discuter avec lui. S'il a été placé en cellule d'isolement, c'est parce que son contact pousse tous ceux qui l'ont approché à se suicider. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Et croyez-moi, je suis sain d'esprit. Le professeur Nelton aussi l'était. Pourtant, après un long entretien avec lui, il est rentré chez lui, il a pris son fusil, l'a armé, et a tué sa fille et sa femme, avant de s'exploser la boîte crânienne. J'entends bien, mais vous ne vous inquiétez pas. Je vous dis que je suis sain d'esprit et aucunement influençable. Comme bon vous semble, inspecteur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander. Je vous remercie. À tout à l'heure. Bonjour, je suis l'inspecteur Falcon. Bonjour. Pourquoi un inspecteur vient-il me voir ? Il me semble n'être coupable d'aucun crime, à ce que je sache. Oui, effectivement. Cependant, vous admettrez que vous avez une fâcheuse tendance à être lié à bon nombre de suicides autour de vous. Et il se trouve que la dernière personne que les suicidés voient, c'est vous. Ouais, je comprends vos interrogations. Mais ce n'est pas de ma faute. La plupart du temps, ce sont ces gens qui viennent me parler, pas moi. Je sais que vous ne pouvez pas être tenu responsable de tous ces suicides, mais avouez que c'est une étrange coïncidence. J'aimerais juste savoir ce que vous leur dites à ces gens. Il semblerait que ça ait une mauvaise influence sur eux, au point de leur donner envie de se tuer. Je ne fais que leur dire la vérité, inspecteur. Rien de plus. La vérité sur quoi ? C'est un peu long à vous raconter. Auriez-vous un verre d'eau, s'il vous plaît ? Oui, je peux vous avoir un verre d'eau. Ou un café, si vous préférez. Je veux justement m'en faire un. Je veux bien un café, alors. Oui, merci. Alors, que vous a-t-il dit ? Jusqu'ici, pas grand-chose. Mais il s'apprête à me faire des révélations. Une chose est sûre, il semble totalement inoffensif. Allez dire ça au professeur Nelton et à toute sa famille. Je vous dis que quelque chose cloche avec ce type. Écoutez, si je comprends quoi que ce soit, je vous en ferai part. En attendant, laissez-moi mener à bien mon cet interrogatoire, en espérant lever le voile sur ce mystère. Très bien, inspecteur. Mais je surveille à travers le miroir sans teint, juste au cas où. Oui, pas de souci. Allez, j'y retourne. Vous voilà de retour, inspecteur. Merci pour le café. Pas de quoi. À présent, racontez-moi en détail, pourquoi les gens que vous rencontrez se suicident peu de temps après ? Parce que je détiens la vérité, et qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Rien que ça. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette vérité ? Vous n'êtes pas prêt non plus à l'entendre, je pense, inspecteur. Oh, j'ai vu beaucoup d'horreurs, vous savez, tout au long de ma carrière. Alors je pense être plus prêt que vous ne le pensez. Très bien. Dans ce cas, à vos risques et périls. Tout a commencé il y a une semaine de ça. Je suis mort. Enfin, cliniquement. Arrêt cardiaque. Les urgentistes ont tout fait pour me réanimer, mais en vain. Pourtant, vous êtes là, devant moi. Vous vous portez bien pour un mort. J'y viens justement. Je suis resté plus d'une heure dans cet état. Mort. J'ai ressenti, comme bon nombre de témoignages, des faits et sensations étranges. D'abord le couloir avec la lumière au bout. Un grand classique, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur ? Oui, effectivement. Poursuivez, je vous prie. Vous vous sentez happé par celle-ci, avec une sensation de douceur et de chaleur. Je puis vous assurer que c'était un très agréable moment, inspecteur. Puis cette forte lumière vous entoure. Et là, un homme tout de blanc vêtu vous accueille avec un large sourire. Derrière lui, vous apercevez tous vos proches disparus qui vous attendent. Autant vous dire que c'est un moment très fort émotionnellement parlant. Oui, je veux bien croire. Jusque-là, rien d'éprouvant à entendre. J'y viens, inspecteur. Cet homme doux s'est approché de moi et m'a dit tout bas à l'oreille quelques mots qui m'ont horrifié. Et puis, comme par miracle, je suis revenu à la vie. Et que vous a-t-il dit ? Quelque chose d'important, qu'il me faut transmettre aux gens principalement ce que j'aime, ou à ceux comme vous qui me le demandent. Mais dès lors que je le dis, l'effet est toujours le même. Suicide, meurtre, tant de morts en une semaine. Mais vous savez quoi ? Je ne les plains pas, monsieur l'inspecteur. Je ne comprends pas. Dites-moi ce que vous avez dit à cet homme avant que vous ne ressuscitiez. Approchez-vous donc. Je ne voudrais pas que d'autres personnes l'entendent. Et voilà, je l'avais dit. Vous n'étiez pas prêts, vous non plus. Oh non, mon Dieu, mais pourquoi a-t-il fait ça ? Qu'est-ce que vous leur dites à la fin ? Je veux savoir. Attendez, ne le dites pas tout de suite. Je vais prendre deux témoins. Vous deux, venez dans le bureau. Très bien. À présent, dites-moi ce que vous venez de lui dire pour qu'il se fasse sauter la cervelle. Et pas la peine de tout me raconter. Nous étions dans la pièce d'à côté. Que vous a dit cet homme dans la lumière ? Très bien. Vous l'aurez voulu. Il m'a dit que le paradis était bientôt complet. Et que ceux qui ne mourraient pas d'ici demain iront droit en enfer. Vous ne vous suicidez pas ? Où allez-vous donc comme ça ? Merci pour cette info. Je rentre chez moi, tuer ma fille et mon mari avant de me suicider.
À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Sans quoi, je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.